Ok, donc je disais, nous allons normalement jouer contre une fille, en tout cas, sauf si c'est un... Enfin, il n'y a pas de vraie fille sur Internet. C'est connu, ça. Super Léa, alors, est-ce qu'elle m'a déjà ajouté? Elle est là. Elle est là. Elle est là, magnifique. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Que le sang de mes cartes porte bonheur. Merci. Super Léa, salut, salut. Alors, on va commencer par mon mage Julia, je pense. Quand même y dire bonjour, je ne peux pas parce que tant que c'est en attente de sélection du deck de Super Léa. Si. Par Super Léa, on ne peut pas. Non, parce qu'elle ne m'a pas encore parlé. Hunter ne fonctionne pas. Exact. Hello, ouvre en 13. J'ai la chef. Et bien sûr, Super Léa, si tu m'écoutes, coupe ton stream, évidemment. On va pas le lire, sinon ça va l'inviter à venir voir. La magie va vous mettre en pièce. Bon! Alors moi en général le guetteur je le garde parce que j'ai beaucoup de choses à faire avec le guetteur tour 1. Bien sûr. Bah, j'ai pas la pièce. Est-ce que l'intelligence des arcanes tu gardes toi? Moi je me tâte toujours. Je connais pas suffisamment ton deck en fait, donc je sais pas si t'as besoin d'aller chercher de la pioche, t'as besoin de poser des créatures rapidement. J'ai tu pas joues beaucoup contre quoi déjà? Je joue contre un mage. Tu joues contre un mage, ouais. Donc si c'est déjà t'as pas la pièce, ça serait cool d'avoir une chouette. Ouais donc ouais. Ça m'a dit. Salut. Salut. Très bien. C'est sobre, c'est froid un peu quand même. Ouais. Bonjour. Bonjour. Nous sommes des robots. Rien à faire. Bon, par contre, là, je sens déjà. Wyrm, pièce, image miroir. Et là, ça me met déjà au fond, premier tour. Men, c'est gérable. Ah non, rien du tout. Bon. Parfait. Est-ce que tu connais Aurélanas? Non. Je sais pas qui c'est un nouveau modérateur. Présente-toi un nouveau Nous modérateur. Avons de nombreuses. Ok, je pense qu'on va faire du via versus via. Ouais. Très bien. Alors. Ça, c'est des personnes qui suivent chez SFR. Probablement. Que faire, que faire? Est-ce que je pose le mien, quitte à avoir une entité miroir? Ou est-ce que je pose le mien, quitte à me faire contre-sort mon contre-sort? Non, mais ça, c'est la question la dernière fois que je me posais. Est-ce qu'on contre-sort le contre-sort? Ouais. C'est un contre-sort pour un contre-sort. Après, ça peut être une entité miroir également. Nous avons de nombreux secrets. Ok, c'est pas une entité miroir. Parce que c'est un contre-sort, ce n'est pas un contre-sort. Donc si c'est mage de Villa, c'est probablement une Vapo. Ou alors, si c'est le même mage que Villa, c'est un courbe-sort. Courbe-sort. Moi, en début de partie, je parierais plutôt sur le courbe-sort. Parce oui, que si elle joue intelligemment, c'est courbe-sort d'abord. Exactement. C'est-à-dire que si jamais tu mets la 4-3, t'es sensible à un éclair de givre et le courbe-sort a beaucoup plus d'intérêt. Ok, là je pense que c'est effectivement un courbe-sort parce que sinon elle m'aurait laissé. Elle serait venue aux dégâts et soit je venais trader sa carte, ça lui laissait son secret, soit ma carte mourait et voilà. Bon, du coup, on va aller piocher, on a vu que c'était que pas un courbe. Je vais piocher parce que tu vas pas poser tes images. Non, je vais garder pour Antonidas. Exactement. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va le voir assez rapidement, hein. Si c'est un mage via, ça va dépendre de son secret. Après, ça peut être aussi un bloc de glace. Chose qu'elle ne peut pas faire, qu'elle a pour moi. Elle va te poser un bloc de glace tour 1. Sauf, elle a posé un. Après, si t'as que ça, tu le poses. Hein. Voilà. Et là, je boulerais presque de feu ça. Mais là, du coup, si c'est un détournement. L'autre. Courbe sort. Je perds une boule de feu. Mais d'un autre côté, est-ce que tu peux te permettre. Mais il de faut faire... de toute façon que je la claque à un moment. Après, au pire, c'est que 3 de dégâts. Cette carte-là est quand même boostée. Le truc qu'il y a, c'est que là, ton courbe sort, il est complètement mort et tu restes ouvert à tout, en fait. C'est-à-dire qu'il va pouvoir venir te freeze, te faire un petit javelot dans la tête et elle reste avec 6 points de vie. L'image du miroir, il va être obligé de taper 2 fois dedans. Il a que 4 de mana, il a pas utilisé sa pièce, il pourrait faire un blizzard le tour d'après. Tu crois? Donc toi, tu jouerais plus l'image miroir plus le contre-sort. Je sais pas ce que je jouerais, en fait. Il faudra bien qu'on le claque à un moment ou à un autre, hein, de toute façon, ce secret en face. Mais c'est clair que c'est dommage de claquer sur un. Allez, on va faire comme ça. Le contre-sort, le problème, c'est que là, si elle joue un blizzard, ça veut dire que c'est la pièce qu'on. Du coup, il peut pas sortir le blizzard. Mais le blizzard n'est pas mort. Si elle sort le blizzard. T'as dingo! Ouais! Si je joue ça, ça booste ma Wyrm, ça claque son secret. Et t'as toujours pas assez et pour traiter le... Oui, j'ai du ping. Ça, plus ping.
Et la boule de feu, tu la mets sur quoi alors? Bah sur le... Sur la Senjin? Ouais. Non, sur la 3-6. Sur la 3-6. Et Senjin, je peux de toute façon le trader avec ma Wyrm. Ouais. Ah non, alors... Bloc de glace, barrière de glace. C'est tout ce qui reste. On est d'accord. Du coup, est-ce que je le trade? Parce que quitte au tour suivant, je peux jouer le Drake. Moi, je pourrais pas attaquer. Ouais, je pense qu'il faut le trader. Je sais pas, parce que je pense que l'éclair de givre, elle l'a pas. L'éclair de givre? Si, elle m'en a grillé un hein, déjà. Elle m'en a mis un. Elle t'en a déjà mis un? Ouais, elle m'en a mis un, il a été contré par mon contre-sort. Exact. Mais j'ai encore un contre-sort. Non, attends. Je ping. Tu ping, le tour d'après, t'as 7 de mana, tu peux sortir un Drake Azure. Un Flame Strike potentiel aussi. Fois. Non, je pense pas que tu failles sacrifier ta créature. Non, pas tout. Parce que c'est pas la gérer en fait. Voilà. Surtout avec un contre-sort posé. Désolé si mon micro est un peu loin. Mais oui, il parle jamais dans la tête. Pas habitué. Ah, par non. Contre, si vous contrôlez un secret, par contre, là, pas il cette va... carte. Ouais. Elle va être bien boostée très rapidement. Je comprends mieux pourquoi hein. Elle a... Ouais, un secret late. Par contre, tu peux toujours avoir un silence. Un bizarre en main. Je comprends pas vraiment. Si, un bizarre en main. Ah oui, effectivement. Donc, bizarre. Ping. Trade. Trade. Ça, il faut... Je peux pas la laisser. C'est tous les tours, plus de plus. Tu veux trade quoi? Comment? Ça, éclair de givre là-dessus. Ping, trade. Parce que là, elle va passer à 5. Donc, mets ton commissaire priseur d'abord. Non, parce que je pourrais plus ping. Mais... Ah oui, merde. Par contre, je peux mettre ça. Et j'ai plus besoin de ping. T'as plus besoin de ping. Et ça va encore plus appeler un Flame Strike ou un Blizzard. Et donc, claquer sur mon secret. Et il vaut mieux que tu le prennes sur... Non, oui. J'ai contre sort. Ouh, ça c'est bon ça. Première fois que je fais du via contre via. Même si son secret, je ne l'ai pas moi dans mon deck. C'est pas un deck via, tu l'as pas le comment il s'appelle? Non, l'arcaniste. Ah, une boule de feu, ça fait du bien. Ça, c'est bon. Ah, par contre là, Entité Miroir, ça fait chier. Je vais commencer par attaquer, je pense. Hein. Ou je commence par éclair de vie. Non, ah, oui. Silence. Voilà. Le silence parce que lui il ne sert qu'à ça. Allez, une entité miroir. Yes! Oh, ça c'est bon! Ping! Ouais. Ping! Donc là, on va être... Ah, alors là, du coup, on va se faire claquer normalement l'entité. Attends, ça peut être une vapeau. On l'a pas calculé. C'est vrai qu'on a pas calculé la vapeau. Ça peut être une vapeau. Bon, hein. Si c'est sur ma 4-1, c'est une vapeau. C'est la vapeau. C'est quand même proche d'un via. C'est vrai que la vapeau, on. Remarque, il a peut-être, elle a peut-être une autre parce qu'elle a pas. Non, c'est le deuxième qui a claqué, c'est celui qui était. Non, je parle de la créature, l'arcaniste, ou je sais pas comment elle s'appelle. Là, ouais. Oui, l'arcaniste. L'arcaniste. Je pense qu'elle a peut-être mis parce qu'elle a peut-être pas un Tonidas. Peut-être. Et tu peux allumer la clim par contre. Effectivement, si tu as froid, je remets la clim. Non, j'ai chaud. Oui. Non, t'as pas ça. Comment c'est le son de la clim? Bien sûr. Ok, je crois que c'était le meilleure possibilité que ça vienne sur nous parce que là je peux commissaire priseur 4 et 4, 8 et je pioche une carte. Je peux pas laisser Non, t'as raison, tu peux pas le laisser, ouais. Les meilleures affaires. On a joué au feu tout à l'heure avec. Oui. Et moi j'ai joué au merde, feu. Merde, ça c'est dommage. Mais par contre, j'ai une Isera qui ressort de Je serais plutôt moi pour l'authentification parce que ton commissaire priseur qui passera à 5 sera obligé de faire Flame Strike et ping. Ouais. Mais Flame Strike il va peut-être arriver maintenant. Voilà. Ouais. Donc là Isera, ça appelle le mouton, je préfère largement qu'on me ship Isera plutôt qu'un. Ah oui, oui. Là, ça. Sur ça on est d'accord. Ah, quoique là du coup. Là ça me génère une boule de feu. Mais est-ce que j'appelle la. Parce que là, de toute façon, je pose la vapeau, elle va me servir c'est à rien pareil, ce tour. Ça va te générer une boule de feu, mais Isera va te générer une carte qui est pétée. C'est vrai. Et Isera, tu peux pas la laisser sur la table. Antonidas non plus. Antonidas non plus, mais. Ça, c'est pas mal. Oh putain, tu pourrais presque faire le tour d'après Dragon Drake. Défenseur d'Argus. Ouais, bon. Voilà, bon, t'as le type. Oui, parce que là, du coup, ça va appeler également soit une boule de feu. Plus ping. Tu peux pas laisser une 7. Mais non, ouais. Il faut la tenter. Dès que tu la poses. Oui, je la tente justement.
Boule de feu plus ping. Oh, en plus, il traite pas. Ouais, donc ça va la... Ouais. Oh, ta. Moi, je sens que si je pose ça, j'aurai soit sa deuxième boule de feu qui va me popper dessus, ce qui est, pas, ce qui est très bien. En défenseur d'Argus, c'est plus 1, donc elle va forcément... Et tu tontifies pas. Si, je tontifie. Bien sûr que je tontifie. Tu tontifies la boule de feu, ça va être une boule de feu, ping. Je me demande... Non, parce que elle est boostée, sa boule de feu. Exact. Je tontifie avec la 2-2, donc j'évite de me prendre 4 points de dégâts. Et le prochain tour, Antonidas. Parce que c'est Antonidas. Pas plus intéressant de faire... Donc je vais peut-être me la faire chip, et du coup, il a plus de chip. Kirin Tor, elle a combien de 3? Donc trop tard après, tu peux faire... Oui, ça, une boule de feu générale. Mais attends, est-ce que c'est pas mieux de faire ça maintenant? Non, parce que je préfère qu'il me chip ça s'il a le chip en main. Oh, il reste combien de cartes à main? 3. 3, 15, 5, donc ça veut dire qu'il y a 18 cartes. Tu penses que sur 10, sur... Je préfère pas jouer le diable, la jouer slow move, attirer sa boule de feu. Ouais, d'accord. Les deux résumés se valent, hein. Parce que au cas où, je peux venir avec mon mouton au prochain tour, s'il survit. Tu vois, ici. Ah bah, il terminé. Ouais, je suis mouton, ping. Et du coup, bah, je jouerai pas tout, mais... Ah bah si, le tour d'après, tu joues tout. Ouais, c'est pas si je ping, pas si je dois pinger. Non. Et je préfère pinger... et délayer d'un tour Antonidas. Mais dans le pire des cas, tu sacrifies tes deux créatures. Oui. Mais là, il y a un Flame Strike possible aussi. Flame Strike, ça clean tout, il clean ici. Ouais, Flame Strike, hein, sorti 5, tout à l'heure. 7, ouais, bah écoute, voilà. Beaucoup de mages, ouais. Le jouent encore deux fois. Est-ce qu'elle a de quoi gérer? Non, je pense pas. Elle a pas de quoi gérer, elle va attaquer. Non. Est-ce qu'elle a deux images miroirs qui sont sorties? Ça, c'est une vapeau. Il n'y a pas d'image miroir qui sont sorties. Mais si image miroir, c'est là-dessus. Mais moi, je pense que c'est une vapeau, elle l'aurait trade sinon. Je joue ça, ça et ça. Au pire, elle me copie ça, je peux venir le... Non, je pense que je vais aller claquer la vapeau. Non, je vais aller trade ici plutôt. Et j'attaquerai jamais avec Antonidas, tant qu'il y a son secret. Et Drake, ouais, c'est une image miroir, ça ferait trop mal. Quoi que, ça... Après, t'as plus de pioche. Si, j'ai un coup, bien sûr, j'ai un coup de... Ah ouais, non, non. Ouais, non, mais j'ai ça qui me permet de pioche. Non, moi je pense qu'il faut le faire comme ça, image nous miroir. Nous avons de nombreux secrets. Non, c'est pas une image miroir. Bon. Donc, Antonidas. Vous avez besoin de mon aide. Une vapeau. Est-ce que j'attaque son Drake? Boule de feu à 7 possible. Mais du coup, de toute façon, que ce soit 7 ou 6, elle peut me pinguer. Donc autant ne pas trade. Prochain tour, je vais essayer de claquer son secret. Ouais. C'est probablement une vapeau. Donc là, je trade pas. Je fais rien. Le tour d'après, tu peux faire double boule. Non, boule de feu, 12. Tu peux faire 12. 12. Si, bon, là, je pense que ça va venir trade. Hein. Nous avons de nombreux secrets. Ouais. Notre secret. Donc il y a probablement une vapeau dans le lot. Là j'attaque Kirin Tor pour claquer la vapeau. Il y a forcément Il y a un contre-sort dedans. Un contre-sort, ouais. On va d'abord claquer le contre-sort, ça change rien. Boule de feu. Je pense pas. Non, pas de boule de feu. Elle attend une boule de feu, quoi. Alors, ouais. C'est pas grave. Boule de feu pour le contre-sort. Sur. D'accord. Parce que là, elle vient trade, il suffit d'avoir un javelot ou n'importe quoi. Pas un javelot, mais. Elle a plus d'éclair de givre. Elle a plus d'éclair de givre. Ouais, mais un 3 points de dégâts. Non, les ping, ouais, 3 ping. Ici, contre-sort. Pas de contre-sort. Si, contre ça. Si. Ah non, courbe. Ça, c'est pour moi. Ça me va aussi. Elle est à 15, prochain tour je peux y mettre. Tu peux finir. Finir. Tu fais 12 plus 5, 17. Et tu peux faire 18 avec ton ping. Donc là, s'il y a patentification, ça passe pas. Non, mais même. Je crois qu'elle envoie une pyro là. Sort, ici ah, j'ai une vapeau, ok, oh, c'est gagné. Bien joué. Attends. Image miroir. Bien joué. Bien joué. Pas même, hein. Vapeau et. Bien joué. Ouais, puis on avait une autre boule de feu. On avait encore des boules de feu. La boule de feu. GG. Ok, belle game. C'était une belle game. Elle était pas mal. Elle était sympa, elle était la game. J'aime bien.
autant de vagues c'est vrai que souvent vous donnez cette image. J'aime pas trop les matchs miroirs. Ouais, ça dépend, ça dépend. Moi là j'aime bien. Mais là, j'ai moi bien souvent j'aime bien parce que du coup on... c'est vraiment bataille de skill quoi. Mm-hmm. C'est enfin bataille de tirage aussi. Tirage beaucoup. Un pourcentage de chance. Mais j'aime bien parce que du coup c'est celui qui va réfléchir au plus par rapport au deck de l'autre parce que le deck il connaît puisque c'est un deck miroir. Et moi j'aime beaucoup ce genre de match là parce que t'es obligé de réfléchir. De réfléchir parce que deux fois plus, j'aime bien. Chasseur. Pas un très bon match. Presque à ton avantage. Alors, tu vas voir une légendaire dans les premières cartes. Tu trouves que c'est un bon match-up ? Ah, on est à la paix. Non. J'aime bien avoir Killing Tower au début. C'est une 4-3 quand même pour 3. Il y a un peu son secret. Et j'ai la pièce. Donc, je peux avoir une chouette pour sortir. Ah, moi, l'intelligence des arcanes, j'aurais pas le jeté. Ah non. Alors là, ça va dépendre de la carte que je vais sortir. Ou ce qu'elle joue. Hein. Si elle joue une créature à un point attention, de vue, attention, je sors du champ. Je sais pourquoi. Charogne. Envoie le goulot. le culot. Bon, elle m'a rien fait tour 1, donc je ne fais rien tour 1. Attention, je reviens dans le champ. Avec, la percussion dans dans le bureau. Et avec quelques et là, grammes d'alcool. D'avoir ce truc entre les jambes, ça me. Ça me plaît. Ouh, on va essayer, et je dis bien essayer de conserver la pièce. Il faut. Après, ça me permet de survivre, de claquer la pièce. Voilà. Allez, une petite chouette là, ça se met très bien. Sortir une petite chouette maintenant. Pas ça, mais alors pas du tout. Ouais, quoi que si, éclair de givre. Hein. Ben, c'est dommage parce que éclair de givre. T'as pas le choix. Hein. Éclair de givre, ça sortait bien avec pièce Antonidas. Ouais, c'est une quête de sur ta main. Mais non, c'est pas. Mais c'est pas dramatique. Non, c'est pas grave, j'en ai d'autres, hein, des sorts à 2. J'ai des sorts à 1 aussi. Le problème avec le chasseur, c'est que effectivement. Ça va vite, hein. Avec son pouvoir. Faudrait pas qu'il soit full charge, quoi. Parce que. Voilà, pas comme ça, quoi. Full charge. Pas comme ça. Mais de notre côté, même si jamais celle-là tu la perds, un full charge contre ton. Eh ben, c'est pas fou. Non. Là, tu peux le ping. Ping. Mais là, du coup, je pourrais claquer la pièce pour la. C'est ce que j'allais te dire. Du coup, on aurait peut-être dû faire pièce d'abord. On aurait peut-être dû faire intelligence des arcanes d'abord. Mais parce que si jamais tu chopais. Tu les as les projectiles des arcanes toi. Non. D'accord, donc ça aurait changé. Mais est-ce que je joue ici Kirin Tor et Lavapo ? Parce que bon, on sait que c'est du charge. De notre côté. Ça commence à être à 5. Est-ce que. Bon, je suis à 21 points de vie, j'ai encore de la marge. Hein. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je jouerais pièce Kirin Tor. Le move est pas mal. Le move est pas mal parce que si jamais tu te prends encore une charge. Nombreux, voilà, au moins elle meurt, j'ai une 4-3 sur table. Puis tout à l'heure elle a joué ce deck là. Elle, dans son deck, elle avait les entités miroirs. Donc elle peut supposer que nous on avait les entités miroirs, qu'on les a pas sortis. On les a pas sortis. Se dire, qu'est-ce que je sors maintenant ? D'ailleurs, ce qui n'est pas sorti aussi, ce sont mes totifications. Ah oui, j'ai un Si, Argus. T'as un Argus. J'ai un Argus et une protectrice. Non, les. Qui a juste la protectrice qui est pas sortie. Ah, yes. Yes. Ouais. Ça se met bien un tir, ouais. Ça voilà, elle va me faire son pouvoir, je pense, mais j'y mets 4. Et là, je peux aller à la pioche. Et par contre, là, il va vraiment falloir commencer à accélérer parce que. Je suis à 18. Parce que 18. T'es à. Attends, ça va finir. Qu'est-ce que tu peux faire pour deux ? Oh, il y a 2 points de dégâts. Non ? Ah bon, bah ça c'est un piège explosif. Piège explosif, c'est certain. On se le note. Le premier, c'est un piège explosif. Pour Dalaran. Je claque direct. Hein. Bah si, j'attaque en premier. Je claque le piège explosif. Dans tous les cas, faut que je le claque. Oui, t'as raison. Attends. Pour Dalaran. Je pourrais silencer ta créature. Je vais piocher là-bas. C'est vrai qu'elle survit. Allez, non. C'était bien tenté. Pour Dalaran. C'était bien tenté. Ça, ça m'était arrivé une fois un drop contre un chasseur. On fait tomber ma créature à 8-1, pensant que justement il allait pas pouvoir finir. Du silence et un bon petit silence qui est arrivé derrière, pouf, c'est terminé. Mais je suis à 17, hein. Et il a pas osé poser de créature. Et là, par contre, ça se met très bien. Mais pas ce tour, forcément, parce qu'on a forcément la vapo. Donc là, je jouerais ça. Non, par contre, le contre-sort. Tu peux faire. Ouais, Wyrm contre-sort et le Getter. Et le Getter, et le tour d'après, tu tentifies que voilà. Le Getter. Oui, ça c'est sûr. Deux secrets.
Là, elle sait qu'il y a une entité miroir dans les deux, forcément. Mais c'est pas le cas. Je pense qu'il y a une entité miroir dans les deux. Parce qu'elle a pas encore joué de créature. Elle a pas osé jouer de créature. Ça se met bien, mais le problème là, par contre, c'est que... Ah. Ouais, 7, ça, c'est bien joué. Hein. Lâcher les chiens bizarres. Ouais. Ça, c'est bien joué parce que... Elle... Ah bah non. Contre-sort. C'est très bien, ça. Lâcher les chiens est mort. On a bien fait de sortir le contre-sort ce tour-ci. Très très bien fait. Et là, lâcher les chiens, il est mort. Ouais. Et le buzzard aussi. Est-ce qu'ils jouent qu'un seul buzzard dans leur deck, les choses? Non, généralement, ils ont double combo. Ouais. Alors, j'ai 7, je pourrais... J'ai encore une vapeur. Une chouette serait tellement bienvenue. Dommage. Mais par contre, prochain tour, du coup, j'ai ça et ça. Bon, déjà, le premier truc, c'est tu ping. Ça, ah. Pour moi, tu quantifies... Ouais. Ouais. Parce que oui, j'ai de toute façon deux tonnes en plus qui m'ont arrivé, prochain tour. Ouais. Voilà, et là, ça va commencer à aller rapidement. Non, là, c'est ça se met pas trop là, mal. Là, on se met bien, hein. On se met bien parce que... Antonidas, elle va avoir de la peine à la gérer. Est-ce qu'elle a pas craqué déjà une ordre de tuer dès le début? Non, oui. C'était pas non, c'est un tir... C'était... Un tir... Oh! Oh! Bah là, voilà, l'ordre de tuer. Est-ce qu'elle n'a pas claqué au début? Non. Tout au début. Non, c'était pas lancé bien. Ici, pour moi, on traite la chouette. C'est pareil, de toute façon, t'es obligé de... Là, non, mais je traite la chouette. Les deux points de dégâts, il veut pas me les mettre tout de suite vu que j'ai entité miroir. Bon, là, on est d'accord. Hein. Ça, entité miroir. Ça me génère une boule de feu. Plus qu'une carte en main, tu. Elle a qu'une carte en main, ouais. Là, c'est deux points de dégâts à elle. Il va me les mettre tout de suite vu que j'ai les entités miroir. Et dans le pire des cas, tu le laisses trader pendant deux tours des créatures. Voilà. Et, je le laisse et moi, je mets du dégâts. Tu fais une métamorphose dessus pour éviter de prendre deux points de dégâts. Ah oui, en plus. Et ça me fait une boule si de feu. Si t'as pas de chouette. Ouais. Et si j'ai deux chouettes en plus dans le deck. Plus des cartes ou pas? Je pense que ça prend un nom. Elle a bouton sur. Ouais. Je suis à 11, hein. Ça peut aller très vite aussi. Hein. Bon, j'ai toujours ça. Ça. Oh, l'Argus qui tombe bien. Non, il tombe pas plus bien que ça. Hein. Bah, si. Non, parce qu'elle va me poser une créature pour me finir. Elle va partir à la vapeau. Donc l'Argus, tout ce que je vais lui donner, c'est la possibilité de venir me trader une autre créature. Je me demande... Pour faire gaffe à un truc charge, type Leroy lâcher les chiens, tu prends cher d'un coup. Hein. Là, ah, imagine-toi, le tour d'après fait Leroy lâcher les chiens. Attends, mais de toute façon, on discute, mais combien je fais? 8, je fais 13 avec le ping. 13, 14, 15, 16, 21. Prochain tour, elle est morte à tous les coups. Si elle me tue pas, elle je est morte. Me demande... Est-ce que tu peux balancer... Attends. Le tour d'après, tu dis que tu peux balancer deux boules de feu. Ouais, donc je peux métamorphoser donc, ça. Fais la métamorphose d'abord. On la métamorphose, on sait que c'est pas de points de dégâts. Je la pingue pas. Je la pingue. Non, tu... Ah non, je pingue même pas, j'ai pas de quoi pingue. Tu fais la boule de feu. Tu peux éventuellement... Non, attends. T'auras assez le tour d'après. Je m'en cherche. Voilà, tu trades tranquille, comme ça il peut pas la feu. Voilà. C'est un petit peu plus le move. Ouais, mais le 13, 13, c'est win, hein. Bah c'est... Si elle me tue pas, ça se heal pas un guerrier, on est d'accord? Non, un non. Chasseur. Enfin, y'a que moi qui le fais ça. Oui, mais toi t'es bizarre. Non, non, là après, le tour d'après, même si jamais te clean le board, tu fais deux boules de feu, boule ping, de feu ping, c'est terminé. Hein, c'est fini. T'imagines, là, il faudrait que... Ouais, non, la win allié. Là, on est bien placé. Là, si jamais, regarde, bon, il y a pas. Mais imagine-toi, là, elle te faisait Leroy lâcher... Tu te calmes, oui. Attends, je vais te faire disparaître. Elle aurait pu me faire silence là-dessus. Lâcher les chiens, un chien là-dedans, ça claquait. Elle me finissait facile, hein. Mais oui. Bien joué. On va la finir proprement comme prévu. Ah non, pas comme prévu. Je m'en charge. On va lui montrer que, quoi qu'elle fasse... La chance était avec nous. Non. C'est du ski. Si tu le souhaites. Non, GG, parce que ouais. Ce type de chasseur charge comme ça, pas peut être facile à gérer. Mais en fait, ça peut être, c'est presque un mauvais matchup dans les deux sens. Parce ça que, dépend comme ça tombe en fait. Si jamais le chasseur a la possibilité avant le tour 5-6 de pouvoir envoyer gavé de charge. Tu peux pas t'en remettre parce qu'après il a juste besoin de te faire deux ordres de tuer dans la tête et absolument. C'est terminé. Et après à partir du tour 5, j'ai gagné les deux matchs. Ça devient inverse. Ouais, t'as gagné les deux premiers un tour. Un cœur. Ouais. Attention, ah non, je vais disparaître du champ.
As the Pick vainqueur, validé. Je confirme que As the Pick gagne. Et donc As the Pick est en quart. Demi. Non, est en demi-finale. Non, et quart. Quart. Regarde. Et descend. Je suis là. T'es là. Donc là, t'es en quart. Remonte. Quart. Demi. Ah oui. Finale. Non. Ah oui, ça c'est finale. Un grand match. Oui. C'est pas que le gagnant. Oui, effectivement. Donc je suis en quart de finale. T'es contre qui? Tu serais contre qui? Je serais contre. Non, il a perdu ton morte-couille. Ouais. Donc je joue contre Ntessa. Comme quoi, il y a une justice. On va faire la pause maintenant, je crois. On va attendre parce que là, ils ont pas encore fini leur match. Donc on va faire la pause maintenant. On peut faire. Si on a encore du temps après la pause, on fera un ou deux match viewers. Donc voilà. Non, pas demi. Sian, je suis en quart. De quoi? Cyanure, elle a mis que j'étais en demi. Mais sommes elle est en quart. Mais bon. C'est... Pause, à dans 5 minutes. Et si vous êtes gentil. Non, vas-y, laisse-le. Si vous êtes gentil, après, on raconte des blagues de Toto. Ok, merci à tous d'être venus. Bonne soirée, à la prochaine, c'était Asbi. Allez, je m'en vais. Et un retard. Allez, au revoir. Non, à dans 5 petites minutes.